imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate. Kate Walker. Allow me to introduce myself. My common name is Oscar. What are we going to do now? I really don't know anymore. It's a long journey, a very special journey. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans von Grund. Kate Walker? Time to wake up. This trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. And you know what surprises me the most? I don't miss it. Les nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukon. Tu te souviens des Yukon? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace. Et plus rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatin, dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial.
Il y a un mois, nous t'avons trouvée mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueillie, et notre chaman t'a soignée. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. Tu as perdu une jambe. C'est un accident, tu sais. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les nomades comme nous. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatine a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe. Et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit ? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatine, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Les Yokol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yokol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Et pourquoi les Yokol font-ils ce voyage ? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leurs excréments amendent nos cultures et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat ? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yokol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça, juste pour nous effrayer et nous forcer à rebrousser chemin. J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre, voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément ? Mais pourquoi ? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps, et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Mais jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yokol craignent bien plus les esprits que les soldats. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Alors, on doit aller dans le patio. Ici, apparemment, il n'y a rien. Pour orienter le regard de Kate, déplacez le curseur vers les bords de l'écran. Mais
quelqu'un ? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Les bonnes énigmes de Sibérien. Solidement vissé. Alors, on n'a rien dans notre inventaire qui nous permet de dévisser. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. Pas de tournevis au milieu des médicaments. Assez rassurant, je dois dire. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Plus qu'à trouver un responsable maintenant. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Mais essaie de venir me dire au revoir avant ton départ. Trouver un responsable. Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Bon, si vous avez vu des mammouths... C'est pas des migraines normales. Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. C'est comme des tas de... Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Ben mon vieux... Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant. Non. Parce que si ça se trouve... Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Ah, vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous? Eh bien, il me semble que je suis guérie. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10. J'ai
Je vous assure que je me sens parfaitement bien, docteur. Je n'en doute pas. Mais vous avez été très malade. Dans votre cas, la prudence s'impose. Vous refusez donc de me laisser sortir ? Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinée à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez ? Asseyez-vous, je vous en prie. Je... Là-dessus ? Oui, oui, n'ayez crainte. Mais... Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance, je vous prie. Je m'appelle Kate Walker, je suis née à New York et j'aurai 30 ans cette année. Bien, bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges ? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bon terme avec eux ? Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancé, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar ? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Oscar était une sorte d'automate très spéciale. Très sophistiqué. Vous savez, parfois on avait l'impression qu'il était presque vivant. Il a été conçu par Hans Vorarlberg. Hans était un génie. L'héritier d'une longue dynastie de fabricants de mécanismes de précision. Nous avons fait un très long voyage ensemble. Jusqu'à cette île perdue en mer qu'on appelle Sibéria. Hans savait que là-bas, il existait encore une population de mammouths qui avait survécu à la préhistoire. Hans était obsédé par les mammouths. Des mammouths ? Voyez-vous ça ? C'est une étrange histoire, j'en conviens. Mais je vous assure que c'est la vérité, docteur. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité ? Je pense, docteur, que les Yukol sont en harmonie avec la nature, le temps et l'espace. Ils n'ont aucune raison valable de changer de mode de vie. Voilà bien l'idéalisme exalté typiquement américain. Peut-être devriez-vous retourner sans tarder à New York, où, je n'en doute pas, vos brillantes idées seront appréciées à leur juste valeur. Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste... J'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Bien sûr, bien sûr. Détendez-vous, Miss Walker. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années, je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Je vous l'accorde. Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne.
Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Retournez-vous. Vous m'avez l'air bien agité. Allez donc contempler les oiseaux dans la volière. Cela vous apaisera. Bonjour. T'es qui, toi, mademoiselle? Ouais, à qui on a l'honneur? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Ça sonne pas de chez nous, ça. Ouais. Comment t'es donc arrivée ici, Kate... Kate Walker? C'est les Yukol qui m'ont amenée. Les Yukol? Rien que des voleurs de poules. Des détrousse-couillons qui gangrènent de leurs méfaits les rues honorables de Valsambor. Ouais. Maintenant, faut aussi qu'ils viennent rapiner ici. Vous voulez parler de Kirk, je suppose? Ça va bien faire 20 ans qu'on est dans cette clinique. Depuis notre retour de Baranour. Eh ben ici, ça a toujours été un établissement de qualité. Faut bien le reconnaître. Alors ça nous déçoit beaucoup que Madame Olga accueille désormais cette racaille dégénérée venue du Grand Nord. Allons, Anton, allons. Madame Olga est incontestablement une femme avisée. Elle doit avoir ses raisons pour héberger un de ces nabos galeux. Baranour? Qu'est-ce que c'est, Baranour? Un endroit. Un foutu endroit maudit. De quoi parlez-vous, monsieur Anton? C'est tout ce qu'il y a à savoir, Kate, Kate Walker. Faut pas remuer le passé. Alors ça fait vraiment 20 ans que vous êtes ici? Ouais. À la base, avec les autres camarades, on a été mis en observation après cette foutue mission là-bas, à Baranour. Léon et moi, on est parmi les derniers à demeurer ici. Les autres collègues, on ne sait pas trop. Faut dire, il y en avait beaucoup de mal en point. Pire que nous. Des gars qui avaient salement morflé. Heureusement, Madame Olga s'occupe de nous comme il faut. Ici, on est comme aux petits oignons. Ouais. Elle nous soigne bien. Une grande dame, si vous voulez notre avis. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, je vous prie? C'est là. Mais tu pourras pas partir sans avoir eu une entrevue avec le docteur Mangeling dans son bureau. Ouais, c'est lui qui sait si on est guéri ou pas. Je vais vous laisser, messieurs. Au revoir. À bientôt, Kate. Kate Walker. Ouais, à bientôt.
J'ai essayé. J'ai essayé de leur dire que j'allais mieux. Mais ils ne veulent rien entendre. Alors, on se retrouve avec une énigme. On va toutes les virer. Ok, alors. Celle-ci, elle irait là. Du coup, de les avoir toutes touchées, je sais plus quel est le chiffre, hein. C'est pas grave. Celle-là, elle irait là. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Ouais, c'était celle-là que j'arrivais pas à rattraper. Hop. Mais... Que se passe-t-il, mademoiselle Walker? Je ne comprends pas. La clé, ça n'a pas fonctionné. Je vous avais prévenu. Vous ne devez pas être suffisamment guéri pour mériter votre liberté. Mmh.
Non, c'est votre fichue clé qui doit avoir un problème. Nos clés datent un peu, je vous l'accorde. Mais elles n'ont jamais posé de difficultés pour remplir leur office. Eh bien, il y a une première fois à tout. Vous voyez bien que j'ai réussi à utiliser la clé et que je suis parfaitement rétablie. J'ai le droit de partir. Impossible, mademoiselle Walker. La règle est formelle. Seuls les malades qui arrivent à ouvrir la porte peuvent quitter cet étage. S'il vous plaît, docteur, ne peut-on pas s'arranger? Je vous promets de ne rien dire à personne si vous me laissez sortir. Je suis parfaitement insensible à toute compromission, mademoiselle. Si vous voulez sortir d'ici, il vous faut réussir à ouvrir la porte. La clé a un problème, c'est évident. Il faut que j'arrive à en identifier l'origine. Alors, au niveau de la clé, déplacer le curseur pour découvrir des points d'intérêt. Ah, s'il manque un, il y a un trou. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Alors, il m'a dit au début d'aller dans la volière. Apparemment, et là ? Ça ne va pas. Des oiseaux automates? On va retourner voir lui, il a quelque chose à dire ou pas? La lumière, le souffle, la chaleur, je les sens encore, j'en rêve toutes les nuits. Il dort. Bon. On va peut-être aller parler à ceux de l'échiquier. Ou alors... Ah, le bureau est ouvert. On peut peut-être aller dans le bureau. Essayer de fouiner.
C'est en russe, apparemment, hein. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. D'après l'image, il faut que je trouve le moyen de la réparer. Mais comment je vais faire ici? Je voudrais bien que tu sortes quand même. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas aller leur reparler à eux? Ils avaient l'air de savoir des choses. Ah, Kate. Kate Walker. Comment ça va? T'as l'air bien désolé. Eh bien, j'ai eu un problème. Je parie que t'as échoué au questionnaire du docteur Mangeling, c'est ça? Mais faut pas te faire de bile, Kate Walker. Moi non plus, j'ai jamais réussi à passer outre ces foutus tests. J'ai bien réussi l'interrogatoire et j'ai reçu la clé de sortie. Le problème, c'est que je ne parviens pas à ouvrir la porte. Ça ne fonctionne pas. Parfois ici, les choses ne sont pas d'une grande évidence. Pour te dire, Kate Walker, Léon, qui est le plus futé de nous deux, il y a quelques années, il a bien réussi l'entretien et lui aussi il a obtenu cette foutue clé des mains du docteur. Ouais, mais j'ai jamais été fichu d'ouvrir la porte. Pareil que toi. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cet établissement. Ça ne vous étonne donc pas cet entretien bizarre qu'on nous fait passer? Et tout ça pour obtenir une clé qui n'ouvre rien? Le docteur Olga nous le répète souvent, Kate Walker. Ici, remettre en question le protocole est en soi une grave maladie. Ouais. Le docteur Olga sait ce qu'elle fait, et on peut lui faire confiance, les yeux fermés. Quand on sera guéri, notre esprit sera en état de comprendre le fonctionnement de cette clé. Voilà tout. On va peut-être aller reparler à notre collègue s'il est réveillé, non? Pour être bien. Je prends peut-être pas les raccourcis pour y aller. Est-ce qu'il est réveillé? Oui. Comment vas-tu, Kate Walker? Ton départ de la clinique est imminent? Hélas, j'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qu'y a-t-il? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test, tu comprends? Un test que j'ai réussi, mais pour autant, la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée.
J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens, Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûr de toi? Les preuves s'accumulent. Il y a d'abord cette clé qui ne marche pas, mais aussi ce lit qui t'emprisonne, et ta prothèse qui n'arrive pas. C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. Alors, est-ce qu'il veut... Il faut que tu me montres ce modèle d'origine. Je croyais que tu as... C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait pouvoir réparer la clé. Si bien sûr tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Je doute qu'il y ait un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il la portera au forgeron de ma tribu. Entendu. Merci à toi, Kirk. Alors, allez sur le balcon. Eh oh! Je suis là! Allez, viens! Eh oh! Je suis là! Allez, viens! Il n'a pas l'air motivé, hein? Ok. On va aller lui dire que son oiseau n'est pas motivé. Hein. À propos de cet oiseau, Kirk, je crois que je lui prends mal. Il refuse de venir me voir quand je l'appelle. C'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique. Est-ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon? Non, mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça. Regarde dans le patio, Kate Walker. Tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau. Pourquoi pas? Je vais essayer ça. Merci pour ton aide, Kirk. Alors, le patio, c'est là où il y avait les automates. Hein. Je peux utiliser le... Non. Ça ne va pas. Le couteau... Rien à faire. J'ai rien d'autre dans mon inventaire qui pourrait... Des oiseaux automates? Les énigmes de Sibéria qui nous rendent fous.
Il doit me manquer quelque chose. Il doit nous manquer quelque chose. Est-ce que nos deux amicaux de tout à l'heure n'auraient pas une idée? Ceux qui depuis le début nous donnent des infos, puisque les autres ont l'air d'être un petit peu beaucoup à côté de la plaque. Ah, il dort. Ah, une clé. C'est peut-être la clé de la volière. On va voir ça tout de suite. Parce que dans l'idée, la volière, vu que c'est un automate, ça peut faire venir le hibou, on dirait, peut-être. Alors, hop. On a une nouvelle clé ici. Voilà, ça c'est bon. Et ici. Voilà, ici on peut prendre un pigeon. Donc je pense que c'est ça qui va attirer le hibou. Faut se remettre dans la logique des cyberiens, pas toujours évident. On laisse ouvert, on s'en fout. On va aller vite dans la chambre. On va aller sur le balcon. Et là, à ce moment-là, si on accroche le... Le petit automate. Hein. Alors, ça avait la molette de la souris. L'oiseau mécanique, on le met là. Le hibou se fait prendre pour un pigeon. Il est amoureux, notre hibou. La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Gatewalker. Il ne reste plus qu'un. Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk, tu m'entends? Réveille-toi. Allons, allons, inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait à Kirk? C'est vous qui lui imposez cet engin de torture. Du calme, mademoiselle Walker.
Je suis le docteur Olga Efimova. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Réanimez Kirk, immédiatement. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cette horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on va subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. On va l'affronter en parce qu'elle a toujours été tête de mule. Vous m'entendez ? Docteur Efimova, j'exige de pouvoir quitter immédiatement cette clinique. Et comptez sur moi pour dénoncer la curieuse façon avec laquelle vous traitez Kirk et vos autres patients. Vous avez une façon très personnelle de pratiquer la médecine. Votre défiance me fait beaucoup de peine, Mademoiselle Walker. Je suis responsable du bon déroulement de votre convalescence. Évidemment, je ne peux que désapprouver vivement une sortie prématurée. Votre avis ne m'intéresse pas. Laissez-moi partir immédiatement. Soit. Je ne peux hélas pas vous empêcher de nous quitter. Mais je vous prie, veuillez soulager ma conscience professionnelle avant de vous en aller. Et laissez-moi prendre votre pouls. Non, ne lui donne pas ton pouls, elle va te mettre la piqûre. C'est sûr et certain, ça. Tu es couillonne, Kate. Eh ben voilà. Mais qu'est-ce que... Enfin, on l'a poussée à dévoiler son vrai visage. Mademoiselle Walker, croyez-le. Il faut vous soigner, de gré ou de force. Je n'arrive pas à croire que le docteur Olga m'ait drogué. Cette femme est complètement folle. Récupérer la clé de sortie, réparer. Eh bien, on va rester là pour cet épisode 1. Donc, on va faire un let's play complet. Vous pouvez retrouver sur la chaîne le 1, le 2. Cet été, je vous avais fait la démo du dernier, du 4. Puisque le créateur, développeur, Benoît, je ne sais plus le nom, est décédé. Donc, je ne pense pas qu'il y aura d'autres Siberia. Du moins, fait par cette personne, hélas. Donc on va faire un let's play bien sûr dessus, il n'est pas question que je passe à côté. Il n'était pas question non plus que j'ai fait le 1, le 2. Je vous le redis, vous avez le let's play sur la chaîne. Si vous tapez dans les playlists, vous retrouverez Siberia 1, Siberia 2. C'est très important de les suivre, sinon vous ne comprendrez rien à l'histoire. Donc vous avez de quoi regarder si vous aimez. C'est un jeu quand même qui est emblématique, hein, les Siberia. Et après, il n'est pas question que je fasse le dernier qui est sorti récemment cet été, sans avoir fait celui-là, puisque, comme on a pu le voir dans les vidéos que je vous ai fait cet été du 4, The World Before, on retrouve Kate dans les mines. Donc, voilà, on ne comprenait pas. Moi, je l'avais laissé au milieu de la neige, comme on l'a vu au début de l'épisode. Évidemment, vu que j'avais pas fait le 3, automatiquement, en faisant la démo du 4, je la retrouve dans des mines russes. Donc, voilà, ça se suit, c'est très important. Donc, le 1 et le 2 sont faits. On va faire le 3. Une fois le 3 fait, on attaquera effectivement le 4. Alors, peut-être en retard par rapport aux autres youtubeurs ou streamers, mais tant pis, je vais à mon rythme. Je préfère faire un ordre, comprendre correctement, plutôt que sauter des étapes, parce que le jeu est plus récent ou moins récent. Donc celui-là je ne le fais pas, le 3 ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a le nouveau qui est sorti. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, donc on fera le prochain épisode très rapidement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'attends vos retours, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour la suite de Siberia et d'autres let's play sur la chaîne. Bye bye.